Salut à toutes et à tous, vous le voyez, la pluie qui tombe sur la pelouse et les tribunes, il va falloir mettre les bons crampons et faire attention à ces prises de balles. Pour vous accompagner, votre duo de commentateurs franco-argentins. Et on est très impatients que ça commence évidemment pour profiter de ce match. Et on sent que tout le monde est impatient de voir débuter cette rencontre. Les minutes juste avant le match, c'est toujours une excitation particulière, une énergie, une expectative et même un peu de trac. Et voilà les 11 alignés pour cette équipe. Composition assez offensive avec ce 4-5-1 ou alors 4-2-3-1. Enfin, on verra bien. Tout ça, ce sont que des numéros de téléphone. Voici la composition de Galatasaray. On connaît leur grande qualité de passing. Leur intelligence, c'est d'être capable de parfaitement bien gérer les espaces. Ouais, on a l'impression parfois que leurs adversaires étouffent. Les espaces, c'est l'oxygène du jeu. Sans espace, tu n'as pas de temps. Et voilà le coup d'envoi de cette rencontre. Très bonne progression, balle au pied. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. L'arbitre laisse jouer. Avantage selon lui. Freeman. Ah, il élimine son adversaire. Eh oui, bien joué là, le soutien. C'est un ballon récupéré. Ah, l'intervention catastrophique. Bon, le geste défensif est manqué. Le danger reste présent. Ah, ce ballon finit en dehors des filets. Martin, il frappe, intervention du gardien. Et attention à la faute parce que ça donne un excellent coup franc pour l'adversaire. Le ballon frôle le poteau sur ce coup franc. Si c'est dedans, c'est pareil. Ou pas. Attention à cette passe. Et la frappe passe très loin du but. La priorité, peu importe la distance, c'est cadré.
il peut frapper. Et duel remporté dans la surface. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Et bien fait, attention à l'occasion. Attention à ce ballon qui traîne. Oh oui, le but. En dedans, la défense s'est laissée surprendre. L'arrêt, on le revoit, c'est top. Un arrêt de très grande classe. Le problème, c'est que le ballon n'est pas maîtrisé et qu'il est renvoyé dans les mauvais pieds. Et à un moment donné, tu ne peux pas faire que des miracles. Il faut aussi un peu de réussite. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Cette frappe au premier poteau, c'est très bien joué dans le trou de souris, même si on se demande si la défense ne pouvait pas faire un peu mieux. Allez, deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Ouais, il prend le meilleur là sur l'adversaire. Et oui, il est venu prêter main forte, ça paye, ballon récupéré. Et attention à cette frappe. Lourde frappe et ça frôle le dessus de la barre. L'offensive progresse bien, peut-être une occasion bientôt. Et ballon dans la profondeur. Ah, la position était intéressante, mais le ballon lui a échappé. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Ah voilà, il suffit de le dire, et finalement, derrière, le ballon est perdu. Et une occasion de contre, à négocier. Et le face-à-face à venir. Le danger est toujours présent. Et la parade du gardien sur ce ballon. Le corner. Ouh, il est manqué ce dégagement. Attention, ce n'est pas terminé. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Pas trop de difficultés sur cet arrêt.
à bonne pression pour reprendre le ballon. Encore 2 minutes à jouer et ensuite tout le monde au vestiaire. Et le gardien s'illustre bien. C'est bien parti pour ce corner. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Et quelle performance de sa part sur le front de l'attaque. C'est à la hauteur des attentes. Et voilà ce que ça veut dire être ami avec la balle. C'est cette qualité à vouloir être protagoniste, à défier ton adversaire, à produire des émotions, à vouloir se marier avec le risque. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Attaque parfaitement exécutée pour récupérer la possession. Nous sommes installés dans le camp adverse. Peut-être une bonne occasion à venir. Et la frappe. Ouh, le but, un troisième but d'écart. Leur domination est écrasante. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et rien de tel pour finir cette action qu'une frappe franche avec beaucoup de puissance qui vient transpercer le filet. Et avec ce but, le score est maintenant de 3 buts à 0. La passe par-dessus, c'est dangereux ça. Eh oui, hors-jeu, il y a hors-jeu sur ce ballon, c'était pourtant bien vu. L'appel aussi était impeccable, mais la passe a trop tardé. Et un changement donc. Bonne progression dans le camp adverse. La frappe est un peu trop enlevée et elle finit sa trajectoire très loin du but. C'est pas le bon choix à une telle distance. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Oh, la frappe! Frappe puissante juste à côté. C'est un ballon récupéré sans aucun problème. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Martin. Allez, pas le pied, il faut prendre un risque maintenant.
Oh, la bonne parade. Corner. Ah, c'est mal joué, c'est mal dégagé, ça peut profiter à l'adversaire. Ah, la différence est faite et sur ce tir, le gardien se contente d'accompagner du regard le ballon en sortie. C'est pas loin, mais c'est dehors. C'est un ballon intercepté. Il dépose l'adversaire là. Voilà, il se fait complètement avoir. Et non, ballon récupéré par l'adversaire. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Eh oui, le duel est remporté. Touche. Le ballon change de camp. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Oh, il s'est bien servi. Et c'est pas fini. Et voilà, but! Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Et regardez, la pression défensive s'accentue et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Ça passe sur le côté, il y a un peu d'espace. Allez, voilà, dépossédé du ballon. Sorti en touche. Il va aller provoquer dans l'axe. Oui, la frappe et le plongeon pour sauver ce ballon. Le ballon est joué court. Attention à cette occasion. Elle a mal capté sans difficulté et une occasion assez bêtement gâchée. Ouais, parce qu'à cette distance, c'est but à chaque fois. Martine.
passe par-dessus. C'est dangereux, ça. Très bon centre, mais personne à la réception pour en faire quelque chose. Le cadeau. Plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Fletcher. Oh, la frappe! C'est pour le gardien, sans problème. Fletcher. La fin, ça y est, de cette rencontre et une belle opération, évidemment, avec cette victoire à l'extérieur. C'est une magnifique performance réalisée par toute l'équipe. On a senti une très grande maîtrise. 2 buts d'écart pour une victoire pleine d'autorité.